Hey guys, this dance is called Those Boots. It's choreographed by Ivan Verhagen and also by Jeremy Soupart. It's a 32 count, 4 wall, improver level line dance. So there's no tags in this dance and there's two restarts. So on wall 4, you do the first 4 counts and you do a restart. And on wall 7, you do the first 24 counts and you do a restart. So let's start with section one. We start with the right foot and we do a monterey, but we do a half turn to the right. So we touch on the side with the right foot, and as we bring it together, we do a half right turn pivot. Then you rock on the side with the left foot, so side, recover, and you bring the left together. So let's do only these steps with the cats seven, eight, one, two, three, and four. Then with the right foot, you cross over the left so you cross you go back with the left and then you go side with the right foot slightly back and you cross over the right with the left you go back with the right foot but quarter turn to the left and you go side with the left foot so let's do section one with the cats seven eight one two three and four five and six seven and eight Section two, you start with the right foot and you do a forward kick. So you kick forward, then you go forward with the right and you touch behind the right foot with the left and you do a coaster. So back together forward. So let's do only these steps of section two seven, eight, one and two, three and four. Then you go forward with the right and you do a quarter left turn pivot. So forward with the right. Recover on the left, and you cross over the left with the right foot. Then you do a weave to the left, so you go side behind, and as you do a step forward with the left, you do a quarter turn to the left. Okay, so it's a weave, but quarter turn to the left. So let's do section two with the cats. Seven, eight, one, and two, three, and four, five, and six, seven, and. So let's do the first two sections with the cats. Seven, eight, one, two, three and four, five and six, seven and eight. One and two, three and four, five and six, seven and eight. Section three, you start with the right foot, and you do a forward kick. So one, then you go back with the right, and then you do a coaster, so back. Together forward. Then you go side with the right foot and you sway to the right and to the left. So sway, sway. So right, left. And then you do a quarter turn to the right. So you go slightly forward, quarter turn to the, to the right. And then you do a step forward with the left. Okay, so let's do section three with the counts. Seven, eight, one, two, coaster, three, and four. You sway, five, six, seven, eight. So let's start from the top, the first three sections with the cats. Seven, eight, one, two, three, and four, five, and six, seven, and eight, one, and two, three, and four, five, and six, seven, and eight, one, two, coaster, three, and four, you sway, five, six, seven, eight. Section four, the last section, you start with the right foot and you do a triple step, but you do a quarter turn to the right. so right, left, right. then as you do a step forward with the left, you do a quarter turn to the right. and as you do a step forward with the right foot, you do one more quarter turn to the right. so you do a three-quarter turn to the right, okay? so let's do only these steps with the counts. seven, eight, one and two, three, four. then you go forward with the left. so forward. You touch behind with the right foot and you go back with the right foot. So it's five and six and you do a coaster. So back together forward. So let's do section four with the cats. Seven, eight, one and two, three, four, five and six, seven and eight. So let's start from the top. Let's do the four sections just to be sure everything's all right. Okay, seven, eight, one. Two, three, and four, five, and six, seven, and eight, one, and two, coaster, three, and four, five, and six, seven, and eight, one, two, coaster, three, and four, you sway, five, six, seven, eight, one, and two, three, four, five, and six, seven, and eight, and then you're back to section one. On wall two. So let's do wall two together. Seven, eight, one, two, three, and four, five, and six, seven, and eight, one, and two, three, and four, five, and six, seven, and eight, one, two, coaster, three, and four, you sway, five, six, seven, eight, one, and two, three, four, five and six seven and eight and then you're back to section one on wall three so for the first restart it will be facing three o'clock it's on wall four you do the first four counts so it's one two three and four restart so one two three and four so the second restart is on wall seven you're facing three o'clock again you do the first 24 counts so let's do them together it's one Two, three, and four, five, and six, seven, and eight, one, and two, coaster, three, and four, five, and six, seven, and eight, one, two, coaster, three, and four, you sway, five, six, seven, eight, restart, so one, two, three, and four. So for the ending, you will be facing 12 o'clock and you do the first two sections. And the first count of section three. So let's, let's do them together. So it's one, two, three, and four, five, and six, seven, and eight. One, and two, three, and four, five, and six, seven, and eight. One, then I go side, I do a quarter turn to the right, and I put my arms each side. So it's one, and I go side. Et je mets mes bras. C'est une façon très personnelle de terminer. J'espère que vous avez appris cette danse avec moi. Donc, prenez soin et soyez en sécurité. Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp, j'espère que vous allez bien. On fait une danse qui s'appelle Those Boots. Alors, c'est une chorégraphie de Yvonne Verhagen et aussi de Jérémy Soupar. Alors, c'est une danse qui a 32 temps qu'on fait sur quatre murs de niveau débutant intermédiaire, ce qu'on appelle en anglais improver. Alors, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de tag autrement dit. Par contre, il y a deux restarts. Alors, sur le quatrième mur, on fait les quatre premiers temps et on fait un restart. Et sur le septième mur, on fait les 24 premiers temps et on fait un restart. Alors, on commence avec première partie, pied droit. On va pointer de côté. On fait ce qu'on appelle un Monterey. Mais on va faire un demi-tour à droite. Donc on fait pointer, on pivote, on ramène le pied droit ensemble. Donc on a fait un demi-tour à droite. Rendu ici, on balance de côté avec pied gauche. Côté, sur place, pied droit, on ramène le gauche ensemble. Alors si on fait seulement ces pas-là avec les comptes, 7, 8, ça fait 1, 2, 3 et 4. Rendu ici avec pied droit, on croise en avant du pied gauche. Donc on croise en avant, on recule pied gauche, on va de côté avec pied droit légèrement en arrière. Et rendu ici, on croise en avant du pied droit avec pied gauche. On recule pied droit, mais on prend un quart de tour à gauche. Donc on fait en arrière pied droit. Et on va de côté pied gauche. Alors si on fait la première partie avec les comptes, 7, 8, ça fait 1, 2, 3 et 4, on croise. 5 et 6, on croise. 7 et 8. Deuxième partie, avec le pied droit, on fait un kick en avant. Donc on fait kick. On dépose et on fait un touche en arrière, ce qu'on appelle ici un piqué. Et on poursuit avec un coaster. Donc, on recule gauche, assemblé droit, en avant, gauche. Alors, si on refait seulement ces pas-là avec les comptes, 7, 8, ça fait 1 et 2, 3 et 4. On poursuit avec pied droit en avant et on tourne, on pivote un quart de tour à gauche. Donc, on fait en avant, sur place, pied gauche et on croise en avant avec pied droit. Rendu ici, on fait un grapevine, ce qu'il appelle aussi en anglais weave. Donc, on fait côté pied gauche, croise en arrière pied droit, et on va tourner un quart de tour à gauche en avançant le pied gauche. Alors, si on combine les deux premières parties, 7, 8, ça fait 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, coaster, 3 et 4, quart de tour, 5 et 6, 7 et 8. Troisième partie avec le pied droit, on fait un kick en avant. Donc on fait un, on recule pied droit, deux, et on fait un coaster en arrière, assemblé en avant. Rendu ici, on va de côté avec le pied droit, on va balancer, donc on fait côté sur place, ce qui appelle en anglais sway. Donc on va déhancher aussi un petit peu à droite et à gauche, et on tourne un quart de tour à droite, et on fait deux pas de marche, donc en avant, en avant le premier pas étant quasiment sur place finalement. Alors, si on fait seulement la troisième partie, 7, 8, ça fait 1, 2, coaster, 3 et 4 en balance, 5, 6 quarts de tour, 7, 8. Alors, on va combiner les trois premières parties. 6, 7, 8, ça fait 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1 et 2. 3 et 4 quarts de tour, 5 et 6, 7 et 8. 1, 2 coasters, 3 et 4, en balance, 5, 6 quarts de tour, 7, 8. Dernière partie, la quatrième partie, on va faire un 3 quarts de tour à droite. On commence avec un triple step, on débute avec le pied droit et on va faire droite, gauche, droite. On avance le gauche, quart de tour, on avance le droit, Quart de tour, mais dans le fond, un, ça se fait en continuité, là, un, quart de, un trois quarts de tour à droite. Alors, si on fait seulement ces pas-là avec les comptes, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, rendu ici, avec pied gauche, on fait un pas en avant, on fait un touche en arrière, ce qu'on appelle aussi piquer, on recule le pied droit, et on fait un coaster, donc pied gauche en arrière, assemblé pied droit, en avant pied gauche. Alors, si on fait la quatrième partie avec les comptes, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8, et on repart du début, donc Monterey, demi-tour à droite. Alors, si on combine les quatre parties pour être sûr que tout va bien, 7, 8, ça fait 1, 2, 3 et 4, on croise, 5 et 6, on croise, 7 et 8, 1 et 2. 3 et 4 quarts de tour, 5 et 6, 7 et 8. 1, 2, coaster, 3 et 4, en balance, 5, 6 quarts de tour, 7, 8, 3 quarts, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Et on repart du début. Donc on va le faire ensemble, le deuxième mur, là, 7, 8. Ça fait 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, quart de tour. 5 et 6, 7 et 8. 1, 2 coaster. 3 et 4 en balance. 5, 6, quart de 7, 8, 3 quarts. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Et on repart du début sur le troisième mur. Alors, pour le premier restart, c'est sur le quatrième mur. On est sur le mur de droite à 3 heures. Et le deuxième, aussi le deuxième... Restart, c'est le septième mur. Le septième mur aussi et sur le mur de droite. Là. Donc, on fait les quatre premiers temps. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et on fait le restart. Donc, 1, 2, on repart du début. Pour le septième mur, on débute encore une fois ici, mais on fait les 24 premiers temps. Donc, on fait 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, coaster, 3 et 4, quart de tour, 5 et 6. 7 et 8. 1, 2, coaster. 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Et on fait le restart. Donc 1, 2, on repart du début. Alors pour la finale, dans le fond, on va partir sur le mur avant et on va faire les deux premières parties et le, le début de la troisième. Alors si on le fait ensemble, 7, 8, ça fait 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2 3 et 4 5 et 6 7 et 8 et rendu ici on va faire 1 et on tourne un quart de tour 2 et je mets les mains de chaque côté mais c'est une finale dans le fond très personnelle donc ça fait 1 2 et je mets les mains de chaque côté alors merci beaucoup et bonne danse